Salut les amis, salut à tous, c'est Letko. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 16e partie de ce Letko Play sur Metal Gear Rising Revengeance. Donc on vient de battre Sundownower, je sais pas comment on le prononce. Attendez les amis, attendez un tout petit peu. Je baisse un tout petit peu le son de ma télé pour pas qu'il y ait un écho, voilà. Voilà, on va le descendre comme ça. 7, c'est très bien. Ouais, donc on vient de battre Sundownower. Donc voilà, un boss. Donc normalement, j'ai bien dit normalement, il reste encore deux boss. Donc voili voilou. Donc on y va. Donc je sais normalement, parce que moi je me suis arrêté à un boss. Bon, je vais pas vous spoiler. Je vais voir un seul morceau de tank. Il faut que je m'en remette dans le mal. J'avais capturé des épisodes avant la Gamescom. Ok, d'accord, ça commence bien. Oh, putain. Au moins, je me suis dit, au moins, il va y avoir du contenu pour vous. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire du. J'ai voulu vous comment dire. Bon, ça va sortir. Merde, non! J'ai coupé en deux le. Voilà. Ouais, je le mets en mode dark. Ils sont super difficiles eux. C'est quoi ces conneries là? Ouh là là. Attends. On va essayer de faire un truc. Non. Je voulais faire un truc. Attention. Attendez, juste. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, c'est ça. Je vais changer la cisaille de Sundownower, le Bloodlust. Je vais prendre le bâton de l'étranger. Je trouve qu'il est largement meilleur. Ouais, je vais couper le bras. Peut-être récupérer son bras. Ah, voilà. Lui, il est dead. Et lui et son pote aussi. Pas très très bien joué. Oh B, bon ça ils sont sympas. Donc ça c'est la voiture qu'on voit dans la publicité hein. La voiture de police coupée en deux. Donc on a laissé aussi Raiden. La dernière cinématique c'était qui soit tombé de l'hélicoptère de Doctor. Donc heureusement c'est un ninja bionique. Il arrive à s'en sortir, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On va avancer un petit peu, voilà. Qu'est-ce qui arrive? Oh putain, des geckos, ils m'ont pas encore. Je crois qu'ils m'ont pas encore vu. Je crois qu'ils m'ont pas encore vu les geckos. Ils m'ont pas encore vu les salauds. Je vais essayer de le tuer en. Merde! Oh putain! On va le couper en 10 000 morceaux. Ceux-là, ils ont été customisés avec Desperado Manufacture. Ça, c'est quoi ces conneries là? C'est bon. Voilà. Merde. Putain, c'est un peu le bordel. Attends.
Putain, faut que je m'occupe de lui là. Bon, c'est pas grave. Enfin, attention, j'ai plus de... Ah bah si, c'est bon. Enfin, attends, pourquoi il me... C'est leurs jambes, leur poids faible, attention. Aïe, 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 aïe. Attends. Putain, et pourtant j'ai pris du PC là. Ah, c'est peut-être pas du PC qu'il fallait prendre. C'est peut-être pas le PC, c'était... Ah, c'est de la nanopathe. Je vais essayer de les esquiver, mais ça va pas être facile. Bien sûr, il va rester là. Et merde. Et merde, ok, je m'en doutais. Oh putain. 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 C'est relou hein. Oh là 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 là, ils font mal hein, ceux là c'est qu'écossais, ils font très très mal. Il y en a un qui est un des composants qui est embleuté, donc ça veut dire qu'il est fragile. Ah, attends, attends, c'est bon, j'ai pris son parfait parfait. Oh putain. Oh putain, c'est quoi ça? J'ai fait un contre. Ça, c'est nouveau, ça. Oh, c'est stylé ce que je viens de faire. Où est-ce qu'il est l'autre? Oh putain, le con. Qu'est-ce qu'il a fait? Attention. Ouais, je lui ai cassé sa mitraillette. Ah, mais si je vais dans son pied, moi, ça va pas le faire. C'est assez stylé là ce que je viens de faire. Connard. Ouais, je vais couper en 1000 morceaux. Ok, ça a dû s'ouvrir. Pas de notes. Des lance-roquettes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Annuler. C'est ça que je voulais faire. Nanopathe de récupération. Voilà. Il y a une caisse à banc. On va l'ouvrir. Allez, go. Donc on est bientôt à la fin, hein, je pense. On va peut-être aller peut-être 4-5 parties. Non, même pas 3, peut-être 3 parties. Mais bon, j'ai entendu que le boss était chaud. Ça me fait peur, ça. Ça me fait peur. Je pense que peut-être que je vais m'entraîner un peu avec lui, quoi. Peut-être m'entraîner un peu avec lui. Putain, pas lui. Attention à lui. Attention. Voilà. Attends, je vais m'occuper de ceux de là-haut. Je sais pas si je peux monter. Non, je peux pas monter. Allez. Voilà. Oh putain, il y en a plein des tireurs de. Des snipers dans les toits. Sur les toits, pardon. Ah. Merde. Un peu. Voilà, la maniabilité n'est pas assez précise, des fois. Je vais mettre le mode. Voilà.
J'avais appuyé au pif rond. Ouais, d'accord, ok, ils descendent. Ils descendent, ok, c'est sympa ça. C'est très très sympa. Hop là. En fait, il suffit juste de les couper horizontal. Voilà. Je me répète, je sais. Ah, presque. Ah non, celui-là, j'ai pas réussi à l'avoir. Ah, ça, c'est les pastèques. Ça vous rappelle quelque chose, les amis? Ça vous rappelle pas quelque chose? Quelqu'un veut de la pastèque, les amis? Il faudra peut-être près de 30 minutes pour arriver au Pakistan. Donc, eux, pour moi, ce qui est bien, ils vont me donner de la vie. Enfin, j'espère. Il y a des combos, vous avez vu, hein. Comme un Uchaku. Voilà, il suffit de combiner le carré avec triangle. On peut faire des choses très 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 sympas. Là je l'ai vu, lui je crois que je l'ai pas vu. Là, moi espèce de sale gnome de merde. Donc il y en a un où il est où l'autre? Voilà. Non non, le bâton de berger de... Enfin le bâton de l'étranger, pas le bâton de berger, n'importe quoi. Il est très sympa. Très 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 sympa. Putain, par contre il y a beaucoup d'ennemis là. J'ai l'impression de revenir là où j'étais tout... Là où j'étais la dernière fois. Ouais, vous avez vu cette roulette de fou là? Ça. Oh putain non pas eux. Attention à leur coup de pied de merde. Oh putain, bien joué ce qu'ils m'ont fait là. Bon, on va mettre la sauce. Voilà, la caméra part en couille quand même. Hein. Il y en a un qui est blessé, c'est lui. Peut-être de la... Et ici. Ok, moi je vais tuer en 2-2. Ok, oh putain, l'autre il en surchauffe. Voilà. C'est bizarre, j'ai visé là où il y avait le carré rouge. Bon bah c'est par là. Apparemment il y a des ennemis là-bas. Mais ils m'ont pas vu. Ok, bon allez, on y va. J'ouvre cette caisse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a besoin du Sadar Soliton. Voilà. Alors que je fasse du sale. Voilà. Voilà. Oula, il y a des baisses de framerate. Oh non, pas lui. Attends, je sais ce que je vais faire avec lui. Je... Putain, il arrête de marceler. Attends, viens ici.
Viens ici, bordel, ne bouge pas. Voilà, je vais couper une partie de sa protection sur le côté. Putain. C'est bon, attends. Bouge pas, bouge pas. Je t'ai dit pas, je t'ai dit pas bouger. Putain. Il m'a mis une baffe avec son. C'est bon, j'ai touché. Non. Ah, j'ai raté mon enchaînement là. Putain, quel con. On va essayer. Merde, non, tu me remets le bâton de l'étranger. Je prends les lance-roquettes. Ah, des fois, peut-être contre ces ennemis-là, faut vraiment utiliser ce genre de. Merde, le con. Je sais qu'il y a des DLC normalement. Il y a le DLC avec le Wolf. Avec le mécanique Wolf. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. On va couper. Voilà. C'était pas très très beau, mais bon. Donc là, c'est par où là? Ah, ils ont tué quelqu'un. Ici, la tête chercheuse. Mur invisible qui est magnifique. Donc ça doit être par là. Je vais t'accompagner au Pakistan. On t'a sur l'hélicoptère. Et merde, non, pas lui, non. Pas lui. Attention. Quel connard. Quel connard. Quel connard, qu'est-ce que je le déteste. Oh putain. Je suis en train de découper là où il y a le carré, bordel. Putain. Merde. Voilà. On va en prendre deux. Tu vas morfler. Je l'esquive. Attention. Vraiment. C'est bon. Faut que je coupe son bras. C'est bon, il a plus de bras. Putain. Et bon. J'aime pas quand il fait ça. Parce qu'en fait c'est télécommandé et j'aime pas. Donne-moi ça, salopard. Voilà. Première fois que je crois que je fais le finish avec les gorilles. Hein. Je crois que c'est la première fois. Hein. Je crois qu'il y a un ennemi sur le côté. Alors, qu'est-ce que c'est? J'avais oublié ici par contre. You have escaped the pursuit? Seems like it. You have passed the last of the barricades. Save your strength. Find a vehicle. Right. That should do nicely. Je crois qu'on va bientôt arriver au boss, les amis. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cette partie 16.
On va s'arrêter, on va peut-être s'arrêter là, ouais. J'ai emprunté votre moto, merci de votre coopération. Ah, vous avez vu, il est sympa, hein? Il a laissé ses coordonnées. Ouais. Donc voilà, petite partie, hein. Combien de temps? 20 minutes. C'est très bien. Comme ça, on va pouvoir faire le boss. Voilà. Bon, cette petite partie, vous avez vu, entre Sundownwear et le prochain boss, il n'y a que voilà, 17 minutes 44 de gameplay. Donc voilà. Donc, on va peut-être, je vais peut-être m'arrêter là. Faire la conclusion maintenant. Attendez, voilà, on va peut-être personnaliser le corps de Raiden avant le combat. Je pense peut-être que vous savez contre qui. Je vais peut-être améliorer ça là. Voilà. Non, 20 000, c'est un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Je vais peut-être améliorer mon. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ouais, j'améliorerai la force. Je vais m'arrêter là pour ça. Parce que c'est ça que je veux. Compétence. Non, trop cher. Ça encore, je peux l'acheter. Turbulence. Prisé. Descendante dévastatrice. Ouais, mais ça par contre, faut prendre le donne. Faut prendre le Bloodlust. Mais je pense pas que je vais le prendre, donc ça me sert un peu à rien. Ouais. Ça par contre, je sais pas le faire, le coup de tonnerre, je sais pas le faire ça. Alors, principe, la vie, je peux pas l'augmenter encore plus. Ah non, c'est 40 000, putain. J'aurais bien voulu, j'aurais dû l'augmenter. On va quitter. Donc les amis, je m'arrête là. Je vous laisse la cinématique et on se retrouve pour la partie 16, 17. Voilà. Je vous laisse la cinématique et on se retrouve juste après la partie 16. Ciao, ciao! Everything okay on your side? I am out of Colorado airspace and nothing on the radar. Good. I'm almost there. Fancy meeting you here. You knew I'd come. I suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. The war is the big payoff. Right. Big raises all around once World Marshal gets all those contracts. I'm not talking about money, Jack. I'm talking ideals. Excuse me? Forget it. We've both heard enough speeches about higher causes by now. History will decide who's right. End of story. I've got cause enough for killing you. Huh? Oh, good. Why, that's very good. Yes, I like that. Must you really fight?
don't interfere. This is between us. And it ends here. Okay. Let's dance!